Bonjour à tous et bienvenue sur GameXor, je suis Norius à votre hôte pour cette nouvelle vidéo sur Crusader Kings 2. Donc on se retrouve là, on s'était laissé la dernière fois avec notre roi Knud le Gros, hein, parce que c'est un clouton qui bouffe tout le temps. Et donc du coup c'est un gros. Donc on n'avait toujours pas d'héritier et une femme qui ne voulait a priori pas nous en donner. Donc pour l'instant on est un petit peu dans la merde, hein. Mais bon, notre frère est notre héritier. Non par contre moi je veux pas que tu... Merde! Ah non, je peux pas changer. Parce que si c'est lui qui hérite, je veux que ce soit un guerrier, hein, forcément. Et donc, oui, on se retrouve là, on s'était laissé. Donc la dernière fois, il me semble qu'on avait fait quelques pillages. Hein. Donc là, à voir ce qu'on peut faire. Donc c'est... Quel était... Donc je voulais devenir riche. Donc il a amassé une somme considérable pour son royaume. 300 pour un comté, 500 pour un duché, 700 pour un ou 1000 pour un empire. Bah, ça me dit pas combien je dois avoir. En théorie, on a un royaume mesquin, voilà, donc je sais pas combien ce sera. En tout cas, toujours est-il qu'on gagne pas beaucoup d'argent, hein, relativement peu. Les organisations, ça applique, ouais, ils sont tous opposés de toute façon. C'est pas le bon moment pour le faire. Ils sont tous indécis, ils sont tous indécis. Ouais, c'est normal, la seule chose qui va changer, c'est ici, voilà, tous opposés. Comme des enfoirés, forcément. Donc moi, je serais bien partisan d'aller... d'aller repiller un petit truc, hein, tout gaffe faire. Donc on a bien, on vérifie bien, pillage. Là, on va laisser un petit peu s'écouler. Alors, j'aimerais vous inviter à rejoindre un petit groupe d'amis avec lequel nous pourrions manger, boire, oublier les misères du monde pendant un petit moment. Prévoyez quelques jours pour cette rencontre au cas où nous serions vraiment inspirés. Mon maréchal, je ne peux pas rater ça. Moi déjà qui m'aime pas. Alors si en plus il me propose d'aller boire un coup. Voilà, donc l'intérêt de la popularité, c'est de pouvoir aller boire un coup avec ses potes. C'est l'avantage. Donc on va laisser un petit peu s'écouler. Je pense qu'on va attendre janvier avant de reconstituer les troupes. Ah bon? Ah, c'est la guerre. Donc ils sont 4021. Personne mariée. Et donc il peut appeler le roi de barrière. De Bavière, pardon. Ils sont pas beaucoup nombreux. Alors, une nouvelle saison. Conversion à la religion. Hors de question. Perdre 500 prestige, pour l'instant, on verra. Pour l'instant, on va appeler nos alliés. Donc, tous nos vassaux viennent pour défendre leur territoire, c'est normal. On va lever ça, les escortes on peut pas, les mercenaires, il ouais, n'y a rien à notre portée, hein, concrètement. On est déjà pauvre, on va pas acheter des mercenaires. Alors, venez, venez, venez. Ouais, on doit annuler les ripailles, c'est dommage, ouais, mais j'ai pas envie de me faire casser la gueule en même temps. Ah, on a d'autres qui se joignent à nous durant cette guerre. Parce que c'est une guerre sainte. Donc tous ceux qui font partie de notre religion peuvent bien entendu, nous rejoindre. Ce qui est une bonne chose. On va foncer dessus. Moi j'aurais été partisan d'attendre, mais apparemment ils veulent pas attendre, donc on va pas attendre. On gagne le front. A sollicité le roi d'Italie, donc il y a 4000. Le roi de Lotharingie. Il est dans la merde, hein, je vous le dis, moi. Ah, il n'avait pas autant de monde quand on a regardé tout à l'heure. Karlmann, donc bien entendu Charlemagne. Hein. Charlemagne. Ah non, c'est son frère qui a pris. Charles le Chauve, voilà, qui était Charlemagne. Normalement. Ah non, c'était lui, Charles le. Avec Pépin, et Pépin fut son fils, enfin, fils de Pépin, il repépin, plein de Pépins. Moi je vais rester là, défendre mes terres, parce que si les mecs débarquent, on est dans la merde, moi je vous le dis. Voilà, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus de guerre, on s'est fait dégommer. Voilà, au revoir. Donc c'est ça la dure vie d'être un païen. Je pense que nous allons tout de suite nous convertir, hein, parce qu'on n'a aucune chance. Perdre 500 de prestige, aïe aïe aïe. Mais au moins, on n'est plus en guerre. C'est l'avantage. Maintenant, il va falloir convertir nos vassaux. C'est là où ça se gâte.
n'avais pas le choix. Moi, je voulais pas perdre un territoire. Exiger une conversion, ça c'est cool. C'est cool que tu veuilles bien. Ah, tous les autres, c'est la merde. Toi, tu vas te convertir. Toi, tu veux pas. Pourquoi tu veux pas? Tiens, petit cadeau. Hop. Et voilà, tu te convertis à la fois. Donc là, on a pas trop le choix. On laisse. C'était soit ça, soit on perdait un comté. Et franchement, j'avais pas envie de perdre un comté. Je préférais baisser mon froc et donner des cadeaux. Enfin, donner des cadeaux. Oui, c'est un cadeau que je lui offre. Hein. Je lui offre, bien entendu, bassin de dés. Un peu chier de devenir chrétien, mais bon. Et du coup, je perds les avantages. Je perds tous les avantages. Bah, païen, quoi. Un peu plus préparé d'invasion, on peut plus prendre de concubines. Ouais, on est. Bon. On est mal. Mais est-ce qu'on avait vraiment le choix? Je pense pas. Et toujours est-il que nous sommes une tribu. Alors, par contre, vous ne me ferez pas chanter. 1131 hommes. Aïe! Les plus gros refusent. Ça, c'est chiant. Ça, on verra plus tard. Mais les plus gros refusent de joindre à ma guerre. Que surtout les empêcher de se rassembler. Voilà, massacrer tout de suite. C'est comme ça qu'on prend l'avantage. Ah non, tu es au moins pas, c'est mort. Oh. Ah, en plus on a des guerriers supplémentaires. C'est cool. Toi, on t'écrase. À mort la rébellion. Hop. À mort la rébellion. Oh non, je suis devenu lâche. Putain, ce personnage, il a vraiment toutes les mauvaises caractéristiques. Comment ça? Ah ouais, c'est juste au-dessus. Ah non, viens là. C'est l'heure de Tichi. Voilà, toi tu meurs. Peu importe où tu iras, j'irai. Donc on va reconvertir ça à ma propre patrie. Pour aller leur casser la gueule. Voilà. Hop, toi tu meurs. Et on va commencer à choper les comtés. Voilà, je suis plus malade, c'est cool. Alors, chopons les comtés. Et bien sûr, ils vont me faire chier œil pour œil ou je tendrai l'autre joue. Alors, quand on voit les caractéristiques, entre patient et coléreux, c'est clairement patient qui l'emporte. Même si je sais que ça fait moins de martial, je préfère qu'il soit patient, quoi. Ça fait un trop gros bonus pour qu'il soit négligeable. Voilà, maintenant on va là-haut. Arrivera trop tard. Je vais te choper, enculé. Viens là. Ma chance. Ah, la chance me sourit, ma femme est enceinte. Enfin, j'ai envie de dire. Déclaration de guerre, qui ça? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est pas Glob, ça. Attends, on va se faire défoncer de tous les coins. Est-ce que, par hasard, je pourrais pas me convertir à sa religion, non? Comme ça, on est content, non? Ça marche pas. On va bien finir cette guerre de merde, déjà, là, cette rébellion qui n'a aucun sens. Pour ensuite rassembler mes hommes et aller lui casser la gueule. Cet enfoiré. Bah vous savez quoi? On a aucun intérêt. On va lui laisser le comté parce qu'en plus on risque de perdre notre guerre d'indépendance si jamais on lui laisse pas parce que son armée va massacrer la mienne. Donc là je pense qu'on est obligé de... J'ai un fils? Ouais, enfin.
puceras. Mélancolique et noble, fébrile et opiniâtre. T'auras envie de bastonner every time. Alors, donc, mon fils, bien sûr, pas mon frère. 100%, voilà. Au cachot. Tous. Alors, donc, est-ce qu'il y a moyen, maintenant que nous sommes plus... Non, il n'y a pas moyen, putain, il est trop puissant, lui. Il en a 3, la vache. Au moins, ça fait de la thune, vous me direz. Mais il n'y a pas moyen de les déshériter, ça m'énerve. Voilà, et déjà ils refont une conspiration. Putain que c'est chiant. Mais je les attends, je les attends. Je suis confiant sur... à ce niveau-là, on a des bons vassaux. On en a certains qui sont de notre côté, même si c'est pas tous. Donc, attendez, là je suis en train de voir s'il n'y a pas moyen d'en convertir d'autres. Toi, non, il n'y a pas moyen. Toi, t'es déjà converti, non? Toi, oui, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien, j'imagine. Chrétien. Ça, t'y es pas encore, toi. Exiger, non, ça marchera pas. Un petit cadeau, tu t'en fous. Nommé, non, je veux pas. Intendant, ouais, il est nul. J'imagine. C'était pas lui, c'était qui? Je ne mettrai certainement pas intendant. Je dois avoir des titres honorifiques, je pense. Nommé commandant, non. Indépendance, acheter une complotée. Titre honorifique. Tu seras échanson. Voilà, c'est bon, t'es content, tu peux devenir chrétien. Oui, oh, il est content. Donc on a les 4 et 5 moins puissants qui sont chrétiens. Et les 4 plus puissants qui sont encore nordiques. Donc il va falloir qu'on arrange tout ça. 18, toi. Oh, est-ce qu'on peut? Ça aurait été trop beau. Petit cadeau. Voilà, deviens chrétien s'il te plaît, merci. Donc, de toute façon, c'est moi son héritier, donc ça c'est cool. Donc maintenant, il faudra que la chrétienté se... Comment dire? Faire de la conversion. Et que la chrétienté se... Se répande. Voilà. Ça serait cool. T'en as vraiment des trucs de merde. Les gens des tribus implantées, non, ça sert à rien. La construction, on s'en fout. Toi, il y a meilleur, mais je peux pas le mettre. Mon chapelain. Ouais, c'est bon. Alors, maintenant, nos titres mineurs. Nos commandants, bah toi, parce que t'es bon. Et toi. Grand aumônier, quelqu'un qui m'aime pas. Bah, ça part sur toi. Le veneur. Part sur toi. Le maître des écuries. Ça part sur toi. Et le régent désigné. Ça part sur toi. Hein. De toute façon, t'es bon hein, en termes de stats. Ce serait bien que vous votiez pour mon fils en fait. Ce serait cool. Alors, toi, t'es encore emprisonné. C'est normal que tu m'aimes pas. Toi. Toi, n'auras pas. Ouais, on va te convertir à l'aide de notre conseiller. On va te faire des chouilles et tu deviendras chrétien. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, donc il nous reste encore un petit peu de temps ensemble. Commandant, il y en a un qui est décédé, tant mieux. C'était nul, donc ça m'arrange. Là, j'attends que mes. Ah, Akira Karixix sociable, ça, ça m'intéresse. Ça fait plus de points. Paye ses médicaments. Oh, il rend pas, oui, perte de piété. Enfin, gain, perte de l'or pour de la piété, c'est pas grave. Donc, toi, bah, tu seras libéré quand tu seras libéré, hein. T'as combien d'argent? 300. Oh, bah, alors là, t'es pas prêt de sortir de tôle. Donc, on a 1000 petites unités qui peuvent partir à tout moment pour aller piller. Parce qu'on gagne pas beaucoup d'argent hein, de toute manière. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Un fort de colline en terre. C'est nul. On va le faire quand même. Donc à faire des stats, hein, c'est pas mal. On a aussi Vionni à pas oublier. Hein.
pionniers qu'on a un petit peu délaissés. Donc, réduire l'organisation, ouais, putain. On va me saouler avec ça, allez. Pas moyen de te envoyer un petit cadeau, ça fait 15, non, ce sera pas assez. Non, non, tu me feras pas chanter. Voilà. Et c'est là où c'est chiant, parce qu'il y a encore la moitié qui se rebelle. Ah là là, c'est pas simple les guerres. Attendez, j'ai vu un truc qui m'intéresse. Un vassal qui a 8 ans. Alors là, toi t'es à moi. Je vais l'éduquer, comme ça va devenir mon super pote. Et c'est cool. Ah ouais, ils sont bien remplis là. Ouais, ils en transportent 20 quoi, si merde. Bien rempli hein, 120$, c'est cool. Je connais. Alors normalement on leur roule dessus. Bien qu'ils ont pris le meilleur général avec eux. Voilà. Hop, on y va. On va vous rouler sur le fion. Ou pas. Si c'est bon, ça passe. Pas facilement, mais ça passe. Allez, ici, on va vous cartonner encore. Voilà, on cartonne et on cartonne. Ça fait de l'expérience en la matière. On va aller les poursuivre jusqu'au bout. Moi je deviens cruel, non. Non, non, j'ai pas envie de devenir cruel, j'ai déjà assez de mauvais traits comme ça. Des fois il y a quelques là, comme ça, là ça bouge pas, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Pas normal. C'est qui elle? C'était ma mère qui est décédée. Tant pis pour elle. On va vite faire prendre ça. Hop. Une paix blanche, bah t'as raison, oui. Je sais que je vais vous écraser, et il est hors de question de faire une paix blanche. Paix blanche, en gros, ça veut dire y a égalité. Et moi, je veux pas faire d'égalité parce que je sais que je suis gagnant. Oh non! Oh non, ils sont en train de faire une guerre pour prendre. Ça me dit pas que je vais être obligé de paix blanche. Ça m'emmerderait. Quoi, ils se sont fait défendre? La vache, c'est qui ça? C'est eux? Ah ouais, ils sont puissants! Ils ont de la chance de se faire défendre, mais là ça passe plus, hein, ouais. Tu sais, ça passe? En tout cas, on va arrêter la guerre, hein. Le territoire il est à moi, il n'y a personne d'autre. Voilà, la guerre a pris fin, merci, au revoir. Donc, toi, bah, si tu veux sortir, tu payes, hein. Tu dis combien Coco il paye. Hop, donne les thunas. Désir un siège au conseil. Oui, ça va, je vais vous les redonner, vos sièges. Viens, viens là. Hop, commandant. Toi. Grand aumônier. Toi. Honneur. Toi. Et en régent désigné, celui qui m'aime pas, c'est toi. Avec de la chance, maintenant, tu peux te convertir. Voilà, nickel. Toi, t'es déjà converti, j'imagine. Demandez une conversion, oui. Toi, t'es en tôle, toi, t'es en tôle. Vous deux, vous êtes convertis. Toi, t'es déjà chrétien. Bah, c'est nickel, là. Niveau relation, on est cool. Juste à la cour, maintenant, à mon avis, ils sont pas convertis. Donc, je vais peut-être leur demander de se convertir. Okay, non, j'ai bugué dans ma tête. Posez pas la question de savoir qu'est-ce que j'ai voulu faire. Moi-même, je ne saurais vous répondre. Alors, donc, j'aimerais bien qu'on puisse aller repiller là, mais avec les guerres qui nous tombent sur le crâne, on n'a pas beaucoup de thunes. Alors, un enfant n'a pas d'intérêt d'éducation. Ah, mais c'est mon frère qui est perfectionniste, c'est difficile. Éducation martiale.
faciles, les perfectionnistes, pour l'argent. Allez, la thune. Pour l'instant, c'est lui qui hérite et ça m'énerve. Parce que j'ai un gamin et. J'aurais commencé le livre. Ah non, on va l'emmener à la chasse, l'oiseau. Ça me plaît, voilà. Je deviens un aspirant fanconier. J'ai une gonzesse. Pas une gonzesse. Une faille. Orange. Et même si je vote pour lui, je perds mon titre. Ouais, whatever. Donc ça me semble logique. Toi. Il faut que you die. Vas-y, si, je t'assure, faut que you die. Pas moyen qu'il reste en vie. Sinon il va tout me ravir. Alors toi. Dis-moi tout. T'es toujours pas chrétien. Et maintenant t'es plus en tôle. Ah t'es plus en tôle. Tu veux récupérer un siège au conseil. Ouais mais t'es nul quoi, c'est ça le problème. Tu veux un siège, mais t'es nul, donc t'as pas en avoir en fait. Bon, toi, tu vas me reposer des problèmes, je suis sûr. Toi, un peu moyenné. Un petit cadeau. Viens dans mon complot. Voilà. Toi, un peu moyenné. Viens dans mon complot. Toi aussi, il y a moyen de moyenner. Viens dans mon complot. À moyenner avec tout le monde, en tant qu'affaire. Envoyer un petit cadeau. Invité au complot. Parce qu'il faut vraiment qu'il die. Hein. Sinon, on va avoir des problèmes au niveau de la subsistion. Je n'arrive plus à parler. Ça m'énerve. Ah, 118%, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a des chances qu'on puisse réussir notre complot. Pour l'instant, ça va. Ça se passe bien. Donc, accueillir des thunes, nous, ça doit être 500, c'est ça? Parce qu'on a en fait on a un faux royaume, donc on est un duché en soi. Enfin, il me semble, je me rappelle plus forcément. 752, on peut rien faire, il nous faut vraiment nos 1000 troupes, sinon on peut rien piller. Et ce serait bien triste. Donc, il faut attendre un petit peu. Attendre que le temps passe. Alors lui, ouais, pourquoi ça me concerne ça? C'est où ça? Des Viotal. Ah ouais, non, mais t'as vraiment cru que j'allais me joindre contre eux là. C'est une blague. On va pas vouloir. Par contre, ça je peux prendre. Ouais, mais pff, ils vont me casser la gueule quoi. C'est. Alors là, je peux faire des améliorations à ce niveau là. Donc au niveau de la tolérance, non, ça n'aurait pas. Du légalisme, je pense. Tolérance n'aurait pas d'intérêt. Et là, on va augmenter l'infrastructure du château. Voilà. Donc là, on est bien. On peut créer encore le royaume de Danemark et le duché de Scanie. Le du royaume de Danemark, je le ferai plus tard. J'aimerais d'abord l'éliminer. Et après, qu'on fasse quelque chose. On est à 844. On va bientôt pouvoir replier la Poméranie. Qui est ici. Poméranie. Et ça, c'est... Ça n'a pas l'air d'être un royaume. C'est... Si, c'est... Ouais. On en a fini par un... Comme c'est gentil. Dégage, espèce de couillon d'être ignoble. D'accord, c'est gentil, ça. Quel adorable bambin. Ah, ça, c'est cool. Il est devenu sensible. Par contre, il doit 352 thunes aux usuriers juifs. C'est pas cool. Ma réputation est fou... Ah, merde. Fait chier. Ça veut dire en gros je me suis fait dénoncer et là je vais avoir des malus. Ah non, j'ai pas de malus sur eux, mais en termes généraux vous avez des malus. Surtout enfin, chez les proches et chez lui-même, voilà. Tentative de meurtre. Tout le monde a un complot, voilà, tout le monde le sait maintenant, on va pas s'en cacher. On va inviter des gens s'il y a encore la possibilité. Voilà, toi je sais que tu veux venir. Hop. C'est cool. Plus il y a de monde, plus on rit. Ce sera plus facile de l'éliminer tant qu'il est gosse. Mais c'est la dure loi du monde.
Ah, des pillards. Bah, écoutez, on a 300 hommes, ça compense le reste. On va lever quelques navires. Donc, on n'a pas besoin d'autant de navires, on est 1000, donc on a besoin de... Alors, les 6, on peut les rabattre. Regardez les 21. Voilà. Mes pillards. Pourquoi je peux pas les rassembler? Une blague? Donne des pillards? Je peux pas les emmener de piller? Une blague? C'est de la merde ta magie. Puis on va y aller avec moi à leur tête et mon fidèle compagnon à mes côtés. On active le pillard, on embarque et on va venir piller. Hop. Alors je peux pas rater ça. Tu veux qu'on fasse la fête? J'arrive. Donne des thunes. Toi normalement t'as pas moyen de lever une armée. Ouais, donc on va récolter un peu de thunes. Des thunas, les bananas. Des thunos, les magnénios. Attendant que notre complot se fasse. Donc là maintenant bah faut attendre un petit peu hein. Le jeu est pas toujours dynamique, il y a des moments où faut attendre, c'est normal hein. Ça peut pas toujours être à 100%, c'est pas un jeu d'action, c'est un jeu de stratégie, donc ça nécessite du temps. Oh, je gagne du prestige en plus, c'est cool ça. On va quand même regarder qu'il n'y ait pas encore un autre personnage qui veut venir. Apparemment non. Ce serait bien qu'il meure quand même là. 130% c'est cool. Alors, au niveau du conseil, qu'est-ce que je voulais voir? Comment on regarde le conseil déjà? C'est là-dedans, voilà. Mon conseil. On a un vassal puissant, on a un pragmatique, deux zélotes, un loyaliste et un arriviste. Alors, lui, c'est cool, parce que c'est un bon mec. Ce serait bien que tu te maries. Enfin, que tu te maries, c'est déjà fait, t'as déjà des enfants, tu as un petit-fils. Ce serait cool que t'aies un fils, comme ça t'as un héritier, on a quelqu'un dans notre camp de vraiment balèze. Et de loyal surtout. C'est là-dessus qu'il faut appuyer. Voilà. Hop. On ramasse quelques thunes. Voilà. On vide tout. De toute façon, je vais tout piller. Je vais flinguer tout leur comté. Ma chance. Oh non, non, non. Je veux pas un fils, hein. Sinon c'est elle que je tue. Parce que si j'ai un fils, ils vont se partager le royaume et ça va être chiant, quoi. Certainement pas un fils. Une fille, ce serait bien. Je crois en plus vos fils, vous pouvez pas les assassiner, parce que sinon il y a des problèmes d'éthique, enfin vous voyez le genre. Bon, je vois pas où est le problème. Hein. Si votre fils vous dérange, vous avez tous les droits de le buter, hein, il est sous votre toit après tout. Alors voilà, continuez à piller. Encore la thunes à prendre. Ça va revenir avec les thunes et le prestige. Putain, j'ai pas vu qu'on se faisait attaquer. Normalement ça passe. Parce qu'on a un très bon front. Ah, une fille, nickel. On a un front qui a réussi à tout repousser, ça c'est bien. Mais faut pas quand même se méfier, on a pas beaucoup de troupes. Donc les... Il y en a un qui c'est parfait. Putain, il y en a trois qui me demandent un siège. Vous êtes nuls, pourquoi vous voulez un siège? Vous êtes nuls. Surtout qu'on envoie chez lui toi. Parce que là on est d'accord. Ah si, il est largement meilleur, pardon. Là. Je suis désolé. Mais. No choice. J'ai des relations à 100%, j'espère qu'elles sont pas trop dégradées. Non, parce que c'était pas un vassal important. Ok, juste toi qui a aucun rôle. Je t'aurais bien mis en tant que chapelain, mais tu peux pas y être.
Parce que t'es à 9, c'est quand même pas mal. Donc là, normalement, ils sont tous catholiques. Maintenant, ils ont plus qu'à propager la religion. Donc c'est déjà ça de fait. Une bonne chose de fait, je dirais même, parce que c'était pas gagné d'avance qu'on réussira à se convertir. Donc il y a juste le dernier, là, qu'on va convertir. Alors, la nature peut se montrer cruelle. Ah, voilà. Normalement, il devrait crever. Enfin. Ah, il y en a déjà 100 PO à bord, alors qu'on en a dépensé 30. Voilà, il est mort. Ça, c'est cool. C'est nerf en craqueur d'une soirée trop horrible. Voilà. J'étais l'initiateur du complot. Voilà. Oh, merde. Je peux faire un duel. À quoi bon? Bon, allons-y, hein. C'est cool. Parce que là, en fait, si vous voulez, je suis un meurtrier reconnu, j'ai moins 10 d'opinion avec tout le monde. Donc c'est chiant. Voilà, je suis indigne, j'ai tué quelqu'un, je m'en fous, votez pour mon fils. Hop. La vie est cruelle pour les enfants, faut savoir. Ça se passait comme ça, hein, au Moyen-Âge. Faut pas croire que duel aura lieu. Par contre, si tu meurs pendant le duel... T'es vraiment nul, hein. Je sais ça. Nul à chier. De toute façon, il avait des caractéristiques pourraves. Alors si toi, j'ai moyen de te rendre comme un sacré guerrier. J'aimerais vraiment que ce soit toi qui éduque mon fils parce que t'es un excellent guerrier. Mais dans un sens, j'ai peur qu'il devienne... Non, plutôt lui, parce que lui, j'ai peur qu'il devienne... qui redeviennent nordiques. Dans un sens, ça m'arrangerait, mais je viens de faire toutes les conversions, donc c'est chiant, quoi. Toi, t'as pas de fille. Ça... C'est toi qui arrive, toi, c'est chiant. Toi, je peux t'emprisonner. Personne n'en aura rien à foutre. Mais bon, ça sert à rien, on va pas emprisonner pour le plaisir. Bien que j'ai envie de le faire, hein, lui qui m'a blessé. L'ennemi prépare une invasion. 20 septembre 886. Le roi Rurik le Magnifique de Gardaïr. C'est où ça? Ah putain la vache. Ah ouais, les stats du mec. Help. Se faire décommer, quoi. Mais c'est une invasion, donc peut-être que nos amis, nos nouveaux amis chrétiens, viendraient nous aider. Quoi, juste finir le pillage, on va aller recueillir des troupes là, jusqu'au max. Parce que ça arrive bientôt. On se laissera, je pense, bah, juste avant l'attaque. Pour qu'il y ait un petit peu de suspense quand même, hein, que vous n'ayez pas trop de choses dans un épisode. Quand même faire de l'attrait. Alors. À jouer, je vous aurai la prochaine fois, voilà. Je vous lis pas tout parce que je sais ce que ça fait comme truc, donc c'est surtout les stats que ça donne qui sont importantes et non pas l'événement lui-même. Voilà, donc on a encore pillé des trucs. On finit juste le fort, voilà, il n'y a plus rien à piller. On rentre. Voilà, masse PO et masse prestige. On enlève. On va améliorer ça. Armurier, camp de tir, terrain d'entraînement, fort de colline en terre, chantier naval, camp militaire. Je serais plus partant pour le camp militaire. Ouais, je suis plus partant pour le camp militaire. Et ici, est-ce qu'on a quelque chose à faire, tant qu'à faire? Je préfère améliorer ce qu'il y a avec la thune, parce que j'en ai pas mal. On profitera d'ailleurs pour prendre des mercenaires pour se défendre, je pense. Besoin de certaines choses, dépense de l'argent en babiole, timide, aimable ou stressé. Les foires devraient être interdites, voilà, on s'en fout, ça fait moins 5 de relations. On n'est pas à ça près, concrètement. Donc l'invasion, c'est le 20 septembre 888, donc c'est dans un an. Donc on joue encore une petite année et après
On l'avisera. Ah ouais, j'ai masse prisonnier en fait. Comment ça se fait qu'un... Ah d'accord, ouais, c'était pendant le siège. On a capturé tout ça. Écoute, c'est nickel ça. Nickel, de toute façon il faut pas la payer, ça doit être sa mère. Que en général ils payent pas pour leur mère, faut le savoir. Va te libérer et toi tu vas te racheter par contre. Donc toi tu es une menace, tu es roi. Moi je ne suis pas roi encore. Mais je peux le devenir. Tant 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 tant. Je suis roi de Danemark. Voilà. Nous sommes roi de Danemark. Nous aurons comme successeur notre fils. Nous allons organiser un grand tournoi avant la guerre. Voilà. Donc, commandant de Danemark. Ah, du coup, on a d'autres trucs, c'est bien. Donc, on a deux commandants à faire. Toi qui es à 15, toi qui es à 9. Sénéchal, quelqu'un qui m'aime pas trop, toi. Gardien des signes. Toi. Le bouffon, non. Le nain de la cour, on n'a pas de nain. Le nuque, on n'a pas de nuque. Écoutez, moi ça me semble correct. J'aimerais bien convertir. Non, toi t'es déjà converti. C'est qui est pas converti? C'est pas toi. C'est un type avec un casque. C'est toi. Est-ce qu'il y a moyen, en te donnant un petit cadeau, de te convertir? Pas encore. Fais chier. C'est dommage. Pendant ce temps-là, ça se construit, c'est bien. On a pas mal de prestige. Bon, on a plus beaucoup d'or, mais c'est pas grave. Moi qui voulais faire appel. C'est pas grave. On s'en sortira sans. On a des partisans, hein, décision. Tous opposants. Pour l'instant, on va. Ah, c'était comme ça, je pense. Donc toi, je t'attends, toi. Parce que je pense que... T'auras pas de vassaux pour venir t'aider, j'espère. Alors, un enfant n'a pas d'intérêt. Ma fille. Ma fille, tu feras ton devoir. Ton devoir d'épouse envers ton homme. Tu vas aller à son place. Champion du grand tournoi. Voilà. Homosexuel, mais berserker, le truc qui va pas du tout ensemble. Elle va être défoncée là. Ils vont pas rester un an, donc je préfère légèreté. Ça vaut mieux, je pense. Donc voilà. On arrive bientôt au 20 septembre, donc on va laisser s'écouler en attendant que nos unités se reposent. Les novés du domaine, pareil, là on peut rien lever. Que nos vassaux soient tous prêts à rentrer en guerre à notre commandement. Notre conseil, ça n'a pas bougé. Ah si, ça a bougé, on n'a plus de loyalistes. On a trois arrivistes, un pragmatique et un zélé. Ah, une place d'électeur vide. Eh bien toi, qui est un loyaliste, ça tombe bien. Tu n'avais pas de place, maintenant tu en as une. Donc là, tous mes vassaux, sauf lui, ont une place. C'est cool. Il y a 3, 4, 5 vassaux. Puissants, tout du moins. Et on a 6 places. C'est juste qu'il était trop nul, en fait. Mon intendant, bah non, il est nul, mon intendant. Ah mais attendez, lui... D'accord. Allez, admettons. Voilà, maintenant, ils y sont tous. Comme ça, ils me feront moins chier. On peut toujours pas te demander. Ah, voilà, ça commence à convertir. C'est pas mal. Au niveau de la coalition, non. Au niveau religieux, Holstein est converti. Jeland est converti. On va essayer de tout convertir, hein, tant qu'à faire, pour rentrer dans la chrétienté. Ce serait cool. Donc les constructions, est-ce qu'elles seront terminées? 30 avril, 13 octobre.
Donc ouais, nos nouveaux guerriers ne seront pas là pour le combat. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Tribu. Est-ce qu'on peut augmenter un taux de trucs? Chantier naval, terrain, camp, armurier. Hein. J'ai pas envie d'améliorer ça. J'ai envie d'améliorer la ville principale. Et pas autre chose. Ah oui, j'invite un de mes amis, bien sûr. Toujours. Je ne peux pas rater ça. Donc on va picoler à chaque fois. Rappelons qu'on est toujours mutilé, donc on a moins 2 de santé. Rattraper. Non, ah non, pas rattraper. C'est le chasseur qui rattrape la santé. On est toujours un assassin reconnu, un glouton, un honnête, lâche, tout ce que vous voulez. Donc voilà, Rorik le Magnifique. Qui fait. Il est sous mon escort ou il est sous la gueule. On peut lever une armée tribale, mais ça coûte cher. Déjà, on peut appeler tous nos vassaux. Comment ça? C'est un chèque de Jutland. C'est lequel? C'est lequel l'enfoiré qui veut pas? C'est toi? Putain, mec, t'as 2000 troupes, fais pas le con. Non, sérieux, fais pas le con. Tiens, je te donne quelqu'un. Oh non, il veut pas venir alors qu'il a 2000 troupes. Alors là, c'est la mort. Pourtant, on a fait ce qu'on a pu au niveau relation. On est à 61, quoi. Quoi que le titre de Jarl'homme de Jutland. C'est quoi le Jarl'homme de Jutland? Oh, bah, bien sûr! Ça, je te le donne, ça m'appartient pas. Jeland, ça m'appartient. Smaland, ça m'appartient pas. C'est à qui Smaland? C'est juste ça et ça. Ça t'appartient à toi, mon chancelier. On va faire deux jarls. Ça m'appartient pas, partir pas, je vois même pas pourquoi. Et donc là, t'as 100%. Donc normalement, tu viens en guerre. Pourquoi il peut pas se convertir lui? Pourquoi je ne peux pas le faire se convertir? En tout cas, est-ce qu'il va venir en guerre? Putain! Bon, on les appelle hein, et on verra la prochaine fois si ça fonctionne. Donc je vais vous dire à plus sur la Game Gozerus.